Je m'appelle Antoine Burgot et j'ai fait une classe préparatoire au lycée Chateaubriand et j'étais en PSI. J'ai découvert au forum des écoles. Il y avait un stand Télécom Paris et les spécialités proposées m'ont plu, donc j'ai retenu Télécom Paris. J'ai choisi Télécom Paris parce que l'info m'intéresse beaucoup en matière générale et aussi parce qu'il y a de l'info mais ça reste assez généraliste, donc les portes sont assez ouvertes. Que les cours que je suis, c'est des maths, un peu de physique, de l'info, de la SES et il y a aussi des cours de formation humaine. Les points forts, c'est qu'on touche à tous les aspects du métier d'ingénieur et sinon les points faibles, c'est que vu qu'on était à distance pendant toute l'année, c'est assez difficile de rester accroché en fait. Créativité. Parce que en fait, tout ce qu'on nous apprend cette année, c'est qu'on est capable de créer, qu'on est capable de faire, et si on veut faire quelque chose, il n'y a qu'à se lancer. Et... Donc moi, ça a été dans la création, notamment avec les associations. Donc, je suis à Comet, qui est l'association audiovisuelle de Télécom, et je suis aussi à TSM, Telecom Sound and Music, qui est l'association Son et Lumière. À Comet, ce que je fais, c'est de la retouche photo sur Photoshop et c'est aussi du montage vidéo, par exemple. À TSM, ce que je fais, c'est que je mixe. Et donc, c'est en soirée, c'est nous qui mettons la musique avec les sonos, les sons et les lumières. En ce moment, on est en pleine campagne BDE, donc c'est un peu le rush. Et c'est vraiment très stimulant, socialement parlant. Et on apprend à s'investir, en fait, et à s'organiser en groupe. Donc je dirais que ce sont ça les temps forts de l'année. Il y a un événement qui m'a marqué pour l'instant, c'est le Way. Donc c'est le week-end d'intégration, c'est parce que on a appris à découvrir tout le monde, il y avait beaucoup d'activités proposées, donc c'était hyper intéressant. Ouais, je me souviens de mon état d'esprit pendant les concours, j'étais assez détendu en vrai. J'avais eu pas mal de temps pour me préparer avec le confinement, donc... Je me sentais plutôt bien. Si j'ai un conseil pour les oraux, c'est de croire en vous. Et voilà. Si j'ai un conseil pour attendre sereinement les résultats, c'est de s'occuper le plus possible. Arrêtez d'y penser parce que de toute façon, ça change rien au résultat. Donc profitez de votre fin de vie de prépa et profitez des vacances. Venez à Télécom Paris parce que y a beaucoup d'associations et la vie est très rythmée et c'est comme une grande famille en fait.